amis! Mon nom est Stéphane Henri Lévesque. Ça sonnait tellement comme une émission pour enfants. Salut les enfants! Comment ça va? Bienvenue à Dolorachon! Yeah! Hey! Dolorachon! L'émission où on teste les produits achetés en magasin qu'on n'aimera pas! Bon, Jeff, est-ce que t'es prêt à tester ou détester ou... le premier produit? Je suis toujours prêt à tester, détester les produits. Moi, tu le sais, moi, j'ai meurs d'envie de les tester, puis qui crache ça dans le Dolorat. La marque Marios. Marios? Mario? Quand c'est ça, man? Morceaux de poitrine de poulet. Des morceaux de poitrine de poulet. Des morceaux de... Il peut pas donner tout le poulet au complet dans la canne. Juste des petits morceaux. Can opener. Pourquoi un can opener? Je comprends pas. Fais attention, tu sais comment te servir de ça, toi? Non, je crois que ça connaît son genou, là, ouais. Je comprends ça. Go, Stéphane, go, Stéphane, go, Stéphane, go! C'est un produit de rouge, j'ai pas dit. C'est ça. Non, mais ça sent le gars en tabarnouche, par exemple. Ça vient de monter d'un choc, là. Ça me fait ça, on dit. Oui, comment? Produit US. Les États-Unis, vous auriez pu garder votre produit. Ça, on dirait un restant de soupe. Oui. Poulet et nouilles pas en riz. Bon. Mon dieu de ton... Ouais, c'est si bon que ça, hein? Alors, moi, je meurs d'envie d'écouter. Attends, je ne me retiens plus, je veux pas écouter. Tiens, je vais prendre les nouilles. Ah, il y a un problème, il n'y en a pas. Ah, regardez, c'est merveilleux. Peux-tu boire un shooter de bouillon de poulet, toi? Non. N'entends pas? Ça dépend. Je peux inviter ça. Oui, en effet, ça dépend. Ils disent assaisonné aussi. Ça t'a assaisonné, ça? Assaisonné de quoi? Pas hot, ça. Non. C'est vraiment pas hot. Ça va être vraiment dans le talon. Oh, il va essayer le jus. Toujours. Le jus de poulet. Je pense qu'on voit mieux à l'écran qu'est-ce que ça a l'air là-dedans. Là. Cube de poulet. Mais c'est dégueulasse! Dolorat! Bien sûr! Fais un test. Et voilà. Le liquide. Et ensuite, le poulet. Oh. Désolé. Oh. Garbage! Là, Jeff va tester le jus de poulet. Mais ça me calme. J'ai besoin d'un peu de motivation, Stéphane. Encourage-moi, je peux pas. Igloo. Ça va faire le sarcasme, on va le faire un anyway. Igloo. Et voilà. Ça rentre-tu le jus de poulet? Ça rentre en tabarnouche, hein? Ça vient me chercher dans le cerveau direct, mais les neurones sont tous abîmés. Non, mais 9 sur 10, je dirais 6 sur 10. Ah ouais, c'est pas plus que ça, honnêtement. Ça dépend. Ça peut dépanner. C'était pas ce plus génial, honnêtement. Côté texture non plus, c'était pas très... C'était juste vraiment plain, c'était simple. C'est du poulet en canne. Rien de spécial. T'achèterais ça pour quoi exactement? Comme... Je veux dire, juste mélanger ça ou un sandwich ou quelque chose? Une salle, parce qu'il y a quand même un bouillon là-dedans, puis tu dis. C'est pas juste des morceaux, là. Tu sais, avec du. Tu achètes avec des légumes. Que tu dois mélanger avec, je sais pas, des pâtes, tout ça. Là, c'est dans le bouillon direct. Fait que tu te demandes dans quoi exactement, avec quoi tu vas faire que ça. Tu avais des idées, fais-vous, les envoyer, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, du sugar. Toujours. Du citron. Avec Stéphane le barman. Ah oui. Il s'améliore. Il s'améliore. La technique, ah ah! Shooter! Je pense qu'il est vraiment un vrai. Ça va bien? Ça réveille. Tu t'en remets? Oui. On lâche pas. Alors, t'es prêt pour le deuxième produit? Bien sûr. J'ai juste un petit twitch en ce moment, mais ça va se passer. Bon, je tourne les bandes, c'est ça? Touchdown! Oh, oh, oh! Clear! Touchdown! Alors, on réalise que c'est de la nourriture, mais ce n'est pas fait pour jouer au football. Non. Mais c'était un nouveau touchdown, vous ne savez pas ce que vous avez manqué. Alors, ça s'appelle Every Snap. À quoi? Every Snap. Peux-tu répéter? Every Snap. On fait un remix là-dessus? Every Snap. Every Snap. Every Snap. Je pense qu'on a compris. Oh. Harvest Snaps! Donc, c'est le Harvest qui capote!
It snaps! Bam! Cousté aux haricots noirs, cuit au four, c'est pas grave, on est. Cuit au four, cuit au four. On sait que c'est cuit au four. C'est cuit au four. Première étape, c'est cuit au four. Deuxième étape. Un piment fort. Quoi? Un piment fort. Habanero. Croustille de haricots noirs aromatisés, cuit au four. Habanero. Habanero. Sans gluten. C'est vraiment très, très appétissant. Juste la couverture, moi, ça me tente tellement d'acheter ça. Ouais. Tellement, ça me motive. Je ne peux m'arrêter, je voulais acheter ce produit-là. Hey, tu l'as déchiré d'une façon dominante. Tu dis, c'est moi le patron, je déchire le sac comme ça. Hey, hein? Qu'est-ce qui nous attend dans ce sac? Check! On va aller vite. Croustille de haricots. Oh boy! En veux-tu un autre? Qu'est-ce que c'est? Et? Ça sent pas grand-chose, en tout cas. Ouh! Un petit piquant à la fin, encore, en tout cas. Oh oui, ça a l'air à goûter le piquant. Je sais pas ce que je fais. Oh! Ça pique à la fin. Ça te met là. Oh, t'as l'air. Oh boy! Oh! Ça vient de chercher ça! Pour les amateurs de picante! Ah ouais, c'est le mot! Pas besoin d'un shooter tout de suite! Oui, tout de suite! Ah! Oh, shooter! C'est fort ça! Ah! Shooter! Donne-moi la main! Pour moi, j'aime pas ça. C'était pas pire jusqu'à temps que ça commence à être piquant. Tu me manges? Ouais. C'est bon. J'étais amateur de piquant, mais ça, celle-là, non. C'est plus que piquant, celle-là. C'est dans l'extrême. Quand on dit qu'il y a rien qui se passe, tu as un coup, ça va. J'ai vraiment chaud. Oui, je peux voir dans ton visage que tu as vraiment chaud. Qui est chaud? Les sueurs. Cool. Les sueurs de... d'Abarnero. Ceux qui aiment les choses qui sont ouais. Vraiment fortes, vous allez aimer ça, mais les tripes, vous allez capoter. Mais tabarnouche, quand ça poigne, ça poigne. Ça poigne. On a acheté un autre, come on, man, on va être tellement cool. Ah oui. Je te dare. On va transpirer en plus. Il va prendre une douche tantôt. Moi, j'en mangerai pas un autre. Parce que c'est juste trop fort, man, c'est fort. Non, j'ai pas lui. Il est très courageux, il est très brave. Attends, toi, je suis tout de suite. Non, ça va aller. Ça va aller? Tu vas aller? Oui. Ah ouais, hein? Pas de j'étais impressionné. Je suis vraiment impressionné. T'as l'air, je suis vraiment cool. Parce que... Hey. Oh. On pourrait même faire un concours. On te parle, ça sent bien. Petite minute. Ça sent bien. Tu l'emballes, puis t'attends quelques secondes. Oh là, ça va dehors. On va prendre le... Ça s'appelait juste là. Le juste là. Ah, vous êtes direct, mais il n'a pas assez. Oh, come on, il n'y en a plus! C'est bien le temps, puis il n'y en a pas! Oh my god! Oh, mon corps pleure, maintenant. Ça a du kick. Si vous voulez faire une surprise à vos amis, vous savez pas trop quoi faire, jouez un tour. Hey! Bon, je dis ça, c'est pas si fort que ça! Ils vont vous croire, parce qu'au début, c'est pas fort pantant! Mais après ça, watch out! D'ailleurs, faut faire un zoom in sur ce soir en ce moment même. J'ai chaud. Une grosse coulisse, c'est pas. Mais il est brave, il est pas de shooter, ça. Non. Moi, je trouve que ça mérite une bonne main, le petit match. Bravo. Alors, est-ce que ça s'en va dans Dolora? Ben, pour moi, c'est absolument Dolora. Oui. Pas de doute là-dessus, là. Pour les amateurs de picante, ouais. Je donnerais un 6 sur 10, non? Ouais, 6 sur 10.
Tiens donc, par magie, justement, vu qu'il n'y a plus de jus de citron. C'est con. On s'est moyen les petits citrons. C'est compact, on va boire direct dans la petite bouteille. On pourrait. Attends, les goûts, pourquoi pas? Tu nous? Hey, moi, j'ai le goût de l'aventure. Il trouve ça comique ou il est en train de capoter un des deux? C'est vrai, c'est ça. J'ai pas le tour en tout. C'est bon! Bon! Est-ce que vous êtes prêts au troisième produit et dernier produit de la rachon? Dites non. Dites non, vous n'êtes pas capable de dire non! Ça vous tente pas, vous faites de temps en temps dire non, la torture pour nous autres, on va voir! C'est toujours la marque Gourmet. Ah, c'est la marque Gourmet. Gourmet. Crème anglaise, produit du Belgique. Ouais, Belgique! Ils disent c'est une garniture de fruits. C'est une garniture idéale pour les fruits. Donc on n'a pas de fruits. On a juste. C'est là, encore la maudite. C'est vraiment une question de s'adapter. Hein? Quand on va à ce magasin-là, préparez-vous à ouvrir tout le temps avec des petites patentes à gosse parce qu'il n'y a rien que ça. On dirait la sauce. La sauce blanche. Ouais, ça sent rien en tout cas. Mais là, on met ça dans la poubelle. On sait pas que. Mais poubelle de suite, tant qu'à moi. Fourchette, cuillère. La cuillère. On prend une cuillère. On va chercher une cuillère. Et voilà, avec des cuillères. J'ai des cuillères! Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Oh, mon dieu, ils ont bien cuit. Ils ont bien cuit. T'as tout mangé ça. Ouais. Pas plus que ça. Mais tu peux le réchauffer, ils disent. D'accord. C'est pas pire. Il y a une sorte de fruit idéal. C'est pas pire. Ça ressemble à de la pudding à l'année. Ouais. Vraiment, ça c'est. Je sais pas si ça c'est. C'est... Souhaitez-moi bonne chance. Les périls, les défis extrêmes. C'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. Comme qu'ils disent, ils mélangent des fruits. Ouais, non, c'est sûr que ça serait mieux. Un double dip en plus, tout le monde. Y'a plus ça, il m'a donné à Stéphane. Oh! Non, ok, Stéphane n'avait plus. Je le sais, à quoi je peux pas entrer. Ça me fait penser à de la soupe au bois. T'as pas vu? Hein? C'est bon, les biscuits sont là. Mais là, ils sont serrés. La soupe au pois, ne vous faites pas avoir quand vous ouvrez ça et pensez de la soupe au pois, ce n'est pas ça! C'est pas... C'est pas méchant. Le produit-là, je le mettrais pas dans le Dolorama. Non. Vraiment pas. Non, c'est quand même... Même juste simple comme ça, c'est quand même pas pire par tout. Moi non plus, je le mettrais pas dans le Dolorama. Ça mérite pas ça. Comme ils disent en arrière, tu peux le réfrigérer 30 minutes dans une bol avant. Ou le chauffer. Réfrigérer ou chauffer? Tu peux chauffer aussi. Ils vont-tu se brancher? Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez faire les deux. Mais sinon, je verrais des bonnes petites fraises, des framboises, des bananes. Allez, fraises, des framboises. Mélanger avec ça, ça serait idéal. Alors, je donnerais un 7 sur 10. Non, pourquoi? Ouais. Je vais plus un 5. Un 5 sur 10, pour ça. Alors, c'est tant du shooter de la petite bouteille de citron. Il n'y a même pas de cheers dedans, rien, il y a juste été. Puis ça commence. Alors, c'est quoi le GF? Ah. Bon, il va caler la bouteille, ça peut-tu? Ça me fait une offre. Ça me fait. Oh! Ah! Il n'y a pas gros sort! Oh, dis que. Eh. Vous avez passé au travers, mesdames et messieurs, c'est spécial. Vous avez survécu comme nous autres. Oui. Puis là, vous à la maison, je vous demande, vous à la maison, vous voulez venir assister, être invité à venir goûter des produits? Ça vous tente-tu d'être ici avec nous autres à tester des produits et être comme, ah, c'est super bon, là! Ah, c'est tellement dégueulasse! Ça vous tente-tu? Ça vous tente? Ben, le courrier est là. Ah, ok, il est juste là! Tu t'envoies un courrier, puis tu dis que tu aimerais venir être l'invité spécial. Et ça va être la bienvenue. Ouais, vous êtes tous les bienvenus, là. Tester les produits, il y en a mais go, on a du fun à boire du citron, puis aller s'étendre après parce qu'on va être malade. La poubelle est wesh, est tout prête. De l'Europe. Et toilette également, tout prêt. Donc, il n'y a aucun risque de se blesser non plus là-dedans. Alors, mon nom est Stéphane Tanguy-Lévesque. Il est Stéphane Tanguy-Lévesque. Et moi, je suis Giapoule, apparemment!
Ah oui? Elle dit, ah ça va, le monde m'appelle GF. Je dis, ah, pourquoi ça s'appelle GF? Mon nom, c'est Gérard. C'était Donner Show! On va aller mettre en place.